Intéressons-nous maintenant à ce quartier de Cocody qui bénéficie de plusieurs travaux de bitumage dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan à la cité Cire, non loin de l'entrée de Bingerville. L'aménagement et le bitumage de la voie d'accès principale font le bonheur des habitants après plusieurs années de galère, comme nous le montrent Nadia Edja, Mathurin Badé et Fulgence Kissiedo. Livrée depuis octobre dernier, la voie bitumée reliant le carrefour Abata à la cité Cire, longue de 2,8 km, vient comme un ouf de soulagement pour les populations environnantes. Nestor Kofi, habitant du quartier, par ailleurs garagiste sur ce tronçon, se souvient encore des désagréments que causait l'ancienne voie. Nous avons perdu beaucoup de clients pour de la poussière. L'accès était difficile. C'était difficile. Et vraiment, pour qu'on gagne place même pour garer voiture pour travailler, c'était tout un problème. Quand il pleut, les gens n'arrivent plus à arriver ou à notre garage. Réalisé pour faciliter l'accès à la cité Cire, aux populations et par extension au CHU d'Angré, cette voie s'élève à un coût de 7 milliards de francs CFA pour l'État. Ce projet-là se divise en deux sections. Nous avons une première section sur 2 km 200 en 2x2 voies et une autre section qui va jusqu'à la cité Cire en 2x1 voie. Les travaux ont duré pratiquement 1 an et demi. Et ça a permis également de réduire un peu l'inondation au niveau du carrefour d'Abata. Parce que dans le cadre de ce projet-là, nous avons construit un dallo qui va jusqu'à l'exutoire d'Abata. Plus de 3 mois après la livraison, le bénéfice se fait déjà ressentir. Pour aller à la cité, c'est facile. Pour arriver, tu ne connais pas, tu demandes, tu vas trouver vite. Ils ont bien fait, rond-point, il y a tout. Ils ont mis fait, nouveau fait, tout ça, c'est bon, c'est propre. Mais maintenant qu'il y a eu les boudrons, on arrive à sortir facilement et puis on rentre sans problème. Il y a des voies qui sont garées même. Tu t'en vas, tu gagnes ta voiture, tu t'en vas. Dans le cadre du projet d'aménagement du transport urbain d'Abidjan, la route reliant le carrefour Abata au village, d'un linéaire de 5,1 km a été réaménagé en 2x2 voies. Plusieurs autres projets de bitumage sont également en cours dans la ville.